Yo les gars, c'est Bakar, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Ratchet & Clank Rift Apart. On est sur cette planète complètement folle, qu'on a commencé déjà dans l'épisode précédent, avec cet énorme robot là qui parcourt la map. Et une map qui est absolument gigantesque. Incroyable. Franchement, c'est vraiment une de mes maps préférées, je pense, pour l'instant. Une de mes planètes préférées, parce qu'elle est juste incroyable. Il y a trop de trucs, en fait. Les gars, vous êtes vraiment au top, merci beaucoup pour votre soutien sur ces vidéos de let's play, je vous kiffe. Donc on va continuer l'aventure et j'ai remarqué qu'il y avait une quête secondaire en fait à faire et qu'elle a l'air franchement plutôt intéressante. Regardez, étude de la culture Lombax. Mais c'est vrai qu'on, je crois qu'on sait pas d'où vient réellement Ratchet. C'est quoi son histoire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un début de réponse? Donc j'ai envie qu'on fasse la quête quand même. Même si c'est une quête secondaire. Waouh, j'hallucine. Un frère Lombax? Je crois pas qu'on soit de la même famille, désolé. Bien sûr que si, de la famille des chasseurs de mystères. Hé, hey, mate un peu ça. Un hôtel très ancien construit par les Lombax. Il renferme un orbe bourré d'informations ancestrales. Mais malheureusement, seul un Lombax peut percer ses secrets. Si tu acceptes de m'apporter 3 lorbes, je te donnerai en échange une super pièce d'armure que j'ai déterrée. Un hôtel Lombax? Vous pouvez compter sur moi. Merveilleux! Une dernière chose, les hôtels ne s'ouvriront pas s'ils sentent de mauvaises vibrations dans le coin. Dans ce cas, tu devras d'abord faire place nette. Ok, donc il y a un premier hôtel ici. Briser l'hôtel pour collecter le lorbe. Putain, mais c'est une tête de Lombax en fait l'hôtel. Ok, 1 sur 12. Par contre, il faut qu'on en trouve 3. Écoutez le lorbe, ok. Tu as trouvé un mystérieux lorbe. Cet artefact contient des enregistrements vocaux antiques. Quelqu'un sur Savali te donnera une belle récompense si tu les trouves tous. J'ai eu une discussion très bizarre ce matin. Kaden est venu me voir. Apparemment, le conseil a estimé que mon travail de cartographie de Savali méritait d'être approfondi. Je dois maintenant cartographier toutes les dimensions, absolument toutes. Sauf que c'est sûrement impossible. Ok, donc c'est des enregistrements. Donc, en fait, il y en a 12 en tout. Je pense qu'ils sont apparemment répartis sur la map. Mais pour la quête, on en a besoin que de 3. Par contre, je pense que c'est vraiment quand tu récupères les 12 que tu découvres des choses sur les Lombax. Ok. Putain, je crois qu'il y en a un là-bas. Yes! Ok, deuxième. Tu as trouvé le lorbe! Joli! Maintenant, tu devrais écouter l'enregistrement qu'il contient. On va l'écouter quand même. Donc, c'est dans les trucs à collectionner. Entrée numéro 2. J'y ai bien réfléchi ce midi et ça ne me semble plus si impossible que ça. Je vais juste avoir besoin du dimensionnateur que Kaden m'a prêté, d'un délai d'un an et 3 semaines qui m'a déjà été accordé, et d'une absence totale de sommeil. Je m'y mets demain. Déjà, c'est une voix mystérieuse qui parle, on sait pas qui c'est. Et en fait, chaque enregistrement audio se poursuit. Donc, faut vraiment. Je pense que quand tu les as toutes. C'est là que tu découvres l'histoire. On va essayer d'en trouver un troisième. Je crois qu'il y en a un là-bas. Si je me trompe pas. Êtes-vous arrivés ensemble dans cette dimension? Oui. Mais il voyage avec quelqu'un d'autre en ce moment. Un nouveau meilleur ami? J'espère pas. Je ne voulais pas dire qu'il t'avait remplacé. Oui, je sais. En plus ils sont. Ouais, ils sont pas marqués sur la carte donc forcément. Ah il y en a un là. Okay. Ils sont pas ultra visibles hein. Frère Lombax, les jambières sont à toi si tu parviens à me rapporter ces lorbes dont j'ai besoin.
Ok, il va nous filer des jambières, ça c'est cool. Attends, on va juste passer par ici. Waouh! Ok, c'est cool. On va remettre le... On va remettre les... Oh là! Heureusement que tu peux sauter super loin avec ça. Il est où le... On va retourner voir le gars là, le moine. Pour récupérer les jambières. Hey! Si jamais tu arrives à m'apporter 4 lorbes de plus, j'aurai le plaisir de t'offrir le plastron assorti aux jambes. Ah, super! J'ai indiqué l'emplacement des hôtels restants sur ta carte. Bonne chance, mon frère. Ah, là, il me les a. Par contre, il me les a mis. Hein. Donc, ça, c'est cool. Ouais, ok, il me les a mis. Ça, c'est cool. Je crois pas qu'il me les avait mis au début. Hein. Ok, donc si on récupère tout, j'ai l'impression qu'il va nous filer l'armure complète. Hein. Donc, fais voir quel type d'armure c'est. Ah, le méca pirate. Ah non, c'est celui-là, tenue de désert. Ah, elle a l'air pas mal aussi. Hein. Elle a l'air cool. En plus, tu peux avoir le plastron et le casque. Et donc, ça, c'est pas dégâts par les créatures indigènes réduits à 5%. Ok, tenue du désert. Donc, en fait, j'ai l'impression que chaque planète a un peu sa tenue finalement. Ok, donc ça, c'est vraiment une mission que je ferai en dehors des let's play. Hein. Et comme ça, du coup, j'aurai la tenue cool. Ok, on va reprendre la mission principale, donc on va passer par là je pense, ouais, on va épingler ça, comme ça. On va pas se tromper, ouh heureusement que le truc marche super bien, j'ai encore failli tomber dans le vide. Ratchet, on va péter nous devons caisses. Secourir les autres. C'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. On rentre direct dans des vifs sujets. Oh, les éléments qui se détruisent. D'autres soldats de l'empereur. Les moines sont en sécurité derrière le champ énergétique. Pour l'instant. Hop là, on permute. Hey. Donc là, les gars, ils sont enfermés là. Aïe. Oh, j'ai plus qu'un de vie. Non, c'est chaud. Moi je trouve de la vie là. Je me suis pris une caisse. Ici il y a de la vie. Non, c'est pas de la vie. Sérieux? Ah, c'est chaud. Ça va être tendu là. Ouais, ça va être tendu là. J'ai crevé. Ah, s'il vous plaît. 1% de vie, c'est un truc de fou. Ah, des robots snipers en plus, ah ouais, sérieux. Il faut de la vie là, sérieux, vous avez pas de vie pour moi? Envoyez-moi de la vie les gars, envoyez-moi de la vie. Non mais vraiment? Il y a aucune orbe de vie pour moi. C'est un truc de fou. Oh là là. Même quand tu tues des ennemis, tu récupères pas de vie en fait. Hein. C'est vraiment. Ah, j'ai récupéré 11 de vie. Ok, cool. Toutes les forces impériales ont été éliminées. J'ai réussi. Merci, Ratchet. Toujours prêt à aider et à botter les fesses des soldats de Nefarious. Ratchet, ce terminal, il faut que j'y accède.
Waouh, je pensais pas que j'allais réussir avec un PV, mais avec la bonne esquive et tout, c'est pas facile. Hein. Et je suis content d'avoir réussi. Vous nous avez sauvés. Un grand merci à tous les deux. Il ne reste plus qu'un temple. Allez, vous partez dans la voie lactée, les amis. Plus qu'un temple. C'est le dernier. On va les trouver. Je te le promets. Plus qu'un temple. Cool. Il me semble qu'on était... Ouais. Tu vois, on est à côté de ça. Comme je suis à côté, je vais en profiter pour récupérer le totem. Oh. Tu ne devrais pas essayer de me trouver un surnom. Ou d'être mon... Pourquoi il se barre ? Je te trouve trop sévère envers toi-même. Tu n'en sais rien. Tu me connais à peine. Je sais que Gary te fait confiance et que les moines t'apprécient. Tu devrais peut-être donner une chance à l'amitié. Je vais y réfléchir. Il va super vite. Pourquoi j'arrive pas à le rattraper ? Puis-je te donner un conseil sur la base de mon observation des moines ? Bien sûr, je t'écoute. Même si Clank devient le meilleur ami de cette autre personne, il restera le tien. L'amitié, ce n'est pas comme une tarte. On en a toujours assez pour tout le monde. Je comprends pourquoi Gary a fait toi son apprenti. Quelqu'un de sage. Merci. Ah, j'arrive pas à me choper. Je sais pas comment on fait. Je crois qu'il faut partir sur un tremplin ou quoi, c'est un délire. Ah non, faut s'accrocher. Il me fuit. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. En fait, fallait s'accrocher au truc. C'est bon. Putain, j'ai cru que j'allais jamais le rattraper. Allez, troisième orbe. Je me suis toujours demandé quel secret renfermait ces orbes. C'est clair. On va pouvoir récupérer du raritan. Pas mal le petit pistolet électrique aussi. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, il est cool quand même. J'aime bien les effets. Allez, on va aller choper le... Y'a quoi par là? Il y a tellement de trucs à voir en fait. Wow. C'est une tanière de requin des sables. Wow, wow, wow. Oula. Oh les effets, c'est magnifique. Je sais pas où je suis tombé. Mais c'est pas grave, on continue. Ah, c'était un... Ouh. J'avais pas vu qu'il y avait un totem ici. Ouh. Attends, on va prendre des petites grenades. Ça y est. C'est bon, on a libéré la... Le totem. Totem des Lombax. Attends, je crois que par contre, on les a pas écoutés. Ouais. Entrée 3. Aujourd'hui, j'ai cartographié ma première dimension. Que du très banal. Sauf que les couleurs y étaient hyper vives. Et il y avait ces créatures aussi. L'une d'elles ressemblait même à un Lombax. Avec des oreilles plus petites, un masque, une canne. Et j'ai l'impression qu'il était en train de faire un casse. Je sais pas trop, mais ça avait l'air cool. En fait, c'est les Lombax qui étaient en train de, créer le... C'est les Lombax qui ont créé le dimensionnateur, j'ai l'impression. Et de deux dimensions. Celle-ci n'était pas aussi colorée. Mais les créatures y étaient nettement plus étranges. Leur corps était constitué de vieilles reliques dont ils peuvent se défaire sans mourir. C'était complètement fou. Dans la troisième dimension, des cubes. Des cubes très, très intelligents. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais devoir arrêter de décrire chaque dimension, car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter, et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors salut! En fait, il y a un espèce... je pense qu'il y a... Je pense que c'est un Lombax qui parle.
Et j'ai l'impression que c'est... Tiens, on va aller par là pour voir. J'ai l'impression que c'est les Lombax qui ont créé le Dimensionator. Oh! Je me permets, hein? Ah ouais! Ah, je m'y attendais pas à ça. Ça a créé un portail en fait. Oh putain, c'est Stargate. Ça a créé un portail. Et ça m'a téléporté ici. Ok. Il y a définitivement trop de trucs. Ouais, j'ai fait tout ça. Il y a définitivement trop de trucs à explorer dans cette zone. Faut vraiment que j'y passe un peu de temps. Allez. On va aller s'occuper de... De la quête principale de la des derniers moines à libérer. Il me semble qu'ils sont... Ouais, on va mettre un petit point dessus comme c'est hyper grand. Sinon on va encore aller farfouiller je ne sais où. Ça a l'air d'être par là peut-être. Je suis pas très sûr, ouais c'est ça. Ah mais faut peut-être monter là-dessus par contre. Ouais, ça a l'air d'être en l'air. Ah non, il y a un chemin. Il y a encore une orbe qui me fuit. Je la ferai plus tard. On va ralentir un peu. Oh c'est beau. Oh y'a un totem. Il me faut des munitions. Ah j'ai plus de munitions. Ah ouais c'est chaud là. Là je suis vraiment... Je suis vraiment à sec en fait. J'ai plus du tout de munitions. Ah, ça va pas du tout. J'ai plus de munitions, ni de ça, j'ai des grenades. Ah non. Ah non, même ça j'ai plus. Ah c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il me reste? Le laser? Ok. C'est bon, j'ai récupéré des munitions de pistolet, j'ai vu là. Tac. Le temple de la forêt primaire. Oh, l'empereur ne respecte rien ni personne. On va lui apprendre le respect. Voilà. Parce que là, je me voyais mal attaquer là. Salut les gars. C'est moi qui oblige. Ouais, des snipers. Yeah. Récupérer des petites munes. C'est pas tout ça mais on est un peu en galère. Aïe. Ah y'a un boss. Il est où? Je sais pas, y a une barre de boss tout en haut mais je le vois pas en fait. Mais dis pas que c'est lui. Ah c'est lui le boss non? Ouais c'est lui là. Wop les... On va essayer de viser la tête un peu quand même. Aïe. Allez, il reste pas beaucoup de vie. Il reste plus que ça. Ça y est, il est bon. C'est chargé. Oh, il a pris un niveau ou j'avoue?
Je dois utiliser ce terminal pour libérer mes frères. Ok. Je vais voir si j'ai pas loupé des trucs. Ouais, les petits boulons, ça pas de problème. Voilà, des munitions surtout parce que je suis clairement en galère. Enfin, je passe chez Madame Durcon. On va faire le plein. Ah, y en a là. C'est un peu les bottes. Hein. C'est l'occasion. Je crois qu'en plus les bottes, on peut les utiliser que sur cette planète. Hein. Je vais vous faire sortir de là. Les moines sont prisonniers d'un autre champ. Voilà. On récupère des petites munes. C'est bon. Encore un peu là-haut. Oui, messieurs, je suis là, on va vous libérer tout de suite. Ce système est très vieux et complexe. Je vais avoir besoin de temps pour désactiver le champ énergétique. Prends tout ton temps. Je m'occupe de ces types. Je me dépêche. Ah ouais. Arrive par l'entrée principale. Okay. Elle a une santé en haut en plus, notre amie. 4 P. Pour éviter qu'il y ait un merfois. Ouh bien. Moi aussi, il faut que j'évite de mourir. Wow. C'est moi. Merci de me soutenir. Ah bah attends. Laissez-la tranquille. Aïe. Ouais, j'ai plus de vie là. Très douloureux. C'est de la vie ça, non? Ouais. T'as la 86 de vie, c'est chaud. Ah, je fais ce que je peux, Y'en a un qui est à côté ou quoi? Balance, vous l'allez. On se fera aller dans Returnal. Il y a tellement d'orbes. Ouf. Ah, je suis à fond. Tiens bon. Eh, niveau plus. Pour l'électrocuteur, le paratonnerre. Oh là là, le bordel. Ah, tiens bon là, t'as 58% de vie, toi, c'est chaud. Ouah, et moi j'ai 10% de vie. Même si c'est un peu trop facile. Qu'est-ce qui a pris un niveau là? Oh là, c'est le bordel, j'en ai pas les yeux. Ah, j'ai passé. Ma vie elle est passée à 40. Attends, c'est le moment d'envoyer des grenades là. J'en ai plus. Aïe. Fais-moi un peu de vie là. Fais-moi un peu de vie parce que là. Ah, t'es tout électrocuté mon gars. Elle peut partir sur le rayon. Ouh, 4 de vie. Y'a plus de vie là vraiment. Il est chaud lui. 4 de vie, je crois que je me fais toucher. C'est mort. Je crois que c'est bon. Non? J'ai terminé. Le champ énergétique est désactivé. Eh, c'était chaud. Hein. 4 PV. Je suis soulagé de vous voir en bonne santé. Mais nous avons besoin d'aide pour atteindre les archives. Ah, je vois. Retrouvons-nous au village, dans ce cas, tout le monde vous donnera un coup de main. Vous avez réussi! Oh, merci à tous les deux d'avoir libéré mes frères. Gary, nous avons besoin d'aide pour accéder aux archives. C'est urgent. Pas de problème! Mes frères
On a une urgence dimensionnelle à régler. Ah. Pour pénétrer dans les archives, il faut être prêt à faire le grand saut, Ratchet. Je te conseille de prendre de l'élan. Ok. C'est parti. Oh là là. Ouais, c'est top. C'est parti. Ça, c'est génial. Enfin, on passe de dimension en dimension, c'est un délire. Incroyable. Oh, c'est incroyable. Ouais. Waouh. Mais non, le saut de fou. La paille. Oui. Non. Ils sont déjà là. Oh, ils vont tous saccager. Ouais, on n'est pas tout seul apparemment. On est hors de question. Hop. Les archives sont alimentées par un générateur à hélice. Si nous le démarrons, nous pourrons entrer. C'est parti pour un commutateur de générateur à hélice. Allez, on envoie de la grenade là. Wow. Il y a du monde. Oh là, ces effets. Incroyable. Précieux. C'est trop risqué. J'aimerais bien des munitions. Ouais, il y en a là. C'est parfait. Oh là là. Oh, c'est... Putain, les éclairages sont dingues. Les documents ici sont irremplaçables. Les schémas, la carte dimensionnelle. Faut se concentrer. Je suis désolée. C'est la guerre là, mes gars. Putain, c'est un truc de fou. Que j'ai fait. Le générateur est en train de démarrer, mais il n'est pas encore à pleine puissance. Nous devons aller sur le toit. Ok, on est sur le toit. Commandant de l'invasion. Wow. C'est bien le boss. Ah, c'est bon, hein. Attends, waouh. Je me demande où il est le vrai empereur en fait, parce qu'à la base il n'est pas réussi là. Ouais. Parce qu'à la base il n'est pas réussi là. Ils sont censés être deux, tu vois. Pourquoi tu tiens tant à ces moines d'abord ? Ils sont tellement moines. Wow. J'ai plus trop de munitions là. Aïe, ah, il m'a fait mal. Un peu de mission, tu vois. Wow. Non, c'est vrai, je suis en galère de munitions. Il ouvre. Ah, j'ai plus de. Ah ouais, j'ai plus que ça. Non, mais non. C'est un truc de fou. J'ai plus que ça. J'ai plus de munitions en fait. J'ai plus que des champignons. Attends, là. Il y a filé quoi là. Des bombes à dispersion. Que deux. C'est quoi avec ça.
putain. Wow, wow. C'est tendu. Là, il y a un peu de mines. Heureusement, il me fait popper quelques mines des fois parce que, en vrai, je sais pas comment je ferais. C'est que j'ai plus de munitions. Donc, je peux pas me battre comme je veux là, tu vois, je suis en galère, je suis en train de chercher des munitions comme un pauvre. C'est quoi qui m'a filé? Un champignon? Mais non. Je m'en fous moi du champignon. Putain, il me refoule des champignons. Ah ouais, j'ai que ça. Faut que tu me files autre chose là. Hein. J'ai besoin de, je sais pas moi, pistolet, laser, ce que tu veux. Exécuteur, c'est pas mal ça. Ah ça y est, non il est pas mort. Allez champignon, il passe au niveau 2 du coup. Oh oh, je me suis un peu. Allez c'est bon. Yes. Bien joué ça. Alors. Ça prend un peu de vie quand même. Là il est bloqué. Il reste un ennemi. Donc, il reste un ennemi. Ah il reste. En fait. Ok. En fait je pense qu'il fallait que je. Il fallait que je descende peut-être pour avoir des munitions, ça aurait été un peu plus malin. Sans allumer le générateur. Attends, je récupère des petites mines quand même, on sait jamais ce qui se passe passer après. Là, je viens de me rendre compte que je suis sur la. Je suis toujours sur la grosse plateforme. Le gros robot là qui parcourt la map, c'est un truc de fou. Regardez, c'est ouf. Je pense que tourner le boulon là. Ouais, c'est ça. Le champ énergétique s'affaiblit. Allez. Ça y est, les archives sont enfin ouvertes. Dépêchons-nous d'entrer. Oh, bien. La carte dimensionnelle est en sécurité. Je reconnaîtrai cette écriture entre mille. Les Lombax. C'est une de leurs constructions. Mon père était le gardien du dimensionnateur. De l'original, en tout cas. Il a tout fait pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Désolé, papa. Est-ce qu'il te manque? Les Lombax? Ce serait compliqué, vu que je ne les ai jamais connus. Mais... oui. Ils me manquent tous. Je te comprends. Peut-être qu'un jour, tu les trouveras. D'abord, tâchons de savoir si on peut fabriquer le dimensionnateur. On peut? Oui. Mais pour cela, il nous faudra utiliser la forge de la station Kedaro, l'endroit le mieux gardé de toute la galaxie. Ok, alors mettons-nous en route, KT-7-4. Ratchet, hein? Appelle-moi Kit. Je préfère ce nom. Entendu, Kit. Non! On doit filer! Nous devons protéger les archives! On n'a pas le temps! Ce fut un plaisir. Ratchet. Mmh.
Je te l'avais dit, je ne suis pas une bonne partenaire. J'avoue, c'était intense, mais c'était aussi génial. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en sécurité avec moi. J'ai été conçue pour être une arme. Pour garder la galaxie de l'Empereur sous contrôle. Une nuit pendant une patrouille, j'ai surpris un rebelle dans la zone impériale. Alors j'ai essayé de l'arrêter. J'ai été fabriquée dans un but précis. Blessée. Ici, au moins, je ne pourrais faire de mal à personne. C'est pourquoi je ne peux pas t'accompagner. Bah, cette mission, c'est bien terminée, non? Oui. Je suppose, en effet. Et si je me souviens bien, on avait dit que si cette mission ne virait pas à la catastrophe... Tu veux toujours faire équipe? Tu es vraiment très étrange, Ratchet. Je sais, on me le dit souvent. Partenaire? Peut-être. Juste cette fois. Oui. Je vais... Ratchet, merci pour ton aide. Pas de soucis. Maintenant, en route pour la station Kedaro. Wow, c'était dingue. Putain, c'est carrément transféré en... Elle se fait transformer en... Oh, Hulkbuster, c'était Hulkbuster le truc. T'sais dans... T'sais quand Iron Man il fait sa... son armure pour combattre Hulk, c'était un truc de fou. Tout petit comme ça, il... il s'est transformé en robot immense. Pourquoi tu l'as pas fait avant? T'sais, moi j'étais en train de galérer là sur la tour et tu te transformes à la fin toi. Enfin bon. Bon c'était cool. Super cool cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir, ça aidera la chaîne bien sûr. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci encore, vous êtes au top les gars. Ciao, ciao.